Bonjour, bonjour, ici Émilie Texier de chez Accès Physio. Donc aujourd'hui, on va regarder les VPPB. Donc ça, c'est quoi? C'est des gens qui vont avoir des étourdissements, des vertiges en fait, qui vont être très brefs, puis ça va être provoqué par le positionnement. Donc souvent, ça va être quand on va se lever rapidement, tourner dans le lit rapidement, des choses comme ça. C'est des vertiges en fait qu'on va voir d'une durée à peu près de 30 secondes, peut-être à 2 minutes maximum, ou environ, là, tu sais, c'est très bref. Donc ça s'est créé par quoi? En fait, dans le système vestibulaire, on a des canaux semi-circulaires. Donc ça, c'est quoi? C'est des canaux qui se retrouvent à l'intérieur de l'oreille. Donc c'est peut-être gros comme ça, à l'intérieur de l'oreille, c'est tout petit, mais quand même, ça donne une bonne information au niveau vestibulaire pour savoir on est où dans l'espace. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ici, si on regarde mon petit exemple ici avec ma petite maquette, donc ici, on a des petites fils de métal. Normalement, dans le crâne, ça serait des tuyaux, OK? À l'intérieur de ça, il y a un petit liquide visqueux qui ressemble un petit peu à une texture de miel. Puis, il y a des petits cristaux qui viennent à être collés dans un bout de ce tuyau-là. Les cristaux, eux, ils sont supposés toujours rester là. Par contre, des fois, quand on a un choc, un traumatisme crânien, quelque chose du genre, ou tout simplement la vie de tous les jours, quand on est plus vieux, ils collent moins bien ces cristaux-là. Ils peuvent se ramasser un petit peu n'importe où dans le canal. OK? Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça donne une information erronée au système, puis ça peut venir justement créer des vertiges, dont un vertige paroxystique positionnel bénin. OK? Donc, un VPPB. Donc, en fait, c'est ça que ça va faire car ça va se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait pour ça en physio? Est-ce que ça se traite? Bien sûr, ça se traite super bien même. Donc, par exemple, que mes cristaux sont dans mon canal. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire des mouvements rapides pour aller repositionner les cristaux à la bonne place. OK? Donc, je vous montre par exemple à gauche. Donc, ça serait ce canal-ci chez mon patient. Donc, si on le regarde de face, il est juste ici. On va vouloir venir positionner la tête par là. Ensuite, on s'en vient vers le bas. Fait qu'on irait comme ça. Ensuite, on s'en va de l'autre côté très rapidement. Et on voit que les cristaux sont rentrés à la bonne place. On peut même venir descendre un petit peu plus bas en bas de la table. Ensuite, on vient rentrer le menton, puis on revient tranquillement vers le haut. Donc, on peut voir que mes cristaux sont bien rendus à la bonne place. Donc, ça ici, on va faire la technique avec le patient 3-4 fois avec lui dans la première séance si on voit que c'est ça le problème. Souvent, ça l'aide beaucoup, beaucoup au niveau des symptômes, ça vient tout réguler. Puis après ça, le patient il va pouvoir le faire aussi à la maison pour s'améliorer de lui-même. On va le revoir en physio s'il y a des symptômes qui persistent et quoi que ce soit. Donc voilà, ça se traite super bien en physio. On vous invite à venir nous voir. Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder la technique de libération modifiée pour traiter un VPPB. Donc, ça serait pour traiter un VPPB au niveau postérieur. Donc là, ici, on va regarder à gauche. Donc, monsieur, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va venir pencher rapidement sur le côté par là-bas. Puis après ça, je vais venir vous pencher rapidement de l'autre côté pour venir replacer les cristaux. Parfait. Ça va? Oui. Donc, on vient comme ça. On va venir tourner par là. Je vais regarder mon front. Et on y va. Comment on se sent? Ça va. Donc, on peut rester là à peu près 15 à 30 secondes où on reste le temps des symptômes du patient. Donc là, ici, ça va bien. Allons de l'autre côté. Je vais passer comme ça. Donc, 1, 2, 3, on y va. Donc, on s'en va rapidement le nez dans la table. Ça va, monsieur? Mm-hmm. Et on peut même sortir la tête pour avoir un plus grand angle. C'est plus efficace. Encore une fois, ici, on veut attendre le temps que les symptômes passent. S'il n'y a pas de symptômes, on peut rester 15 à 30 secondes là, pour s'assurer que tout est beau. Avant de remonter, on va venir rentrer le menton. Ça va toujours. Mm-hmm. Et doucement, on vient remonter. Ça va? Oui. Super. On remonte la tête tranquillement. Et voilà.